Puis tu vois le fond, là. C'est fou. Là. Résident du lac des Piles depuis 38 ans, Denis Dumont se réjouit de voir que Shawinigan resserre ses règles sur la location de résidences touristiques. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est pour la tranquillité des gens. Que ça reste comme c'est... C'est le genre de préoccupation qu'a voulu considérer la Ville dans la deuxième mouture de son projet de règlement, présenté mardi soir lors d'une séance d'information. Ça montre que c'est dangereux. Une cinquantaine de citoyens étaient présents, tant des résidents inquiets que des propriétaires qui désirent louer leur résidence. 99 % des gens qui utilisent ce service-là, ce sont des gens qui se comportent parfaitement bien. On est toujours un peu inquiet de celui ou celle qui va déborder. Raison pour laquelle le projet qu'on a présenté est très restrictif. Restrictif parce que ceux qui voudront un permis de location devront répondre à une grille d'analyse avec des conditions comme le respect de la quiétude et une certaine distance entre les résidences touristiques. L'aspect de distance entre les sites d'hébergement est un élément qui est important là, dans le contexte d'un lac. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait depuis la dernière réunion, c'est rassurant, mais il y a encore des choses qui sont perfectibles, évidemment. Certains propriétaires qui veulent faire de la location à court terme trouvent exorbitantes ces nouvelles exigences de la ville de Shawinigan, notamment le coût du permis pour une année à 1 000 qu'ils jugent être parmi les plus élevés au Québec. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'endroits où on charge aussi cher. La raison pour laquelle on a instauré ce fameux 1 000 c'est pour être en mesure de payer une ressource qui sera là, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur des appels au cas où qu'il y ait des gens qui ne respectent pas les cadres dans lesquels on a établi tout ça. Le maire n'exclut pas d'apporter des modifications au règlement, mais souhaite le faire adopter auprès du conseil municipal cet automne. L'Association des propriétaires du lac des Piles n'envisage pas s'y opposer. On verra la version finale, la mouture finale de l'affaire. C'est toujours mieux d'avoir un règlement qui est imparfait plutôt que ne pas avoir de règlement. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Shawinigan.